Un queso. Dos. Hola, buenas. Picos des repas pour une boucle à partir de Sautresse, qui se situe à peu près à 1000 et quelques mètres. On commence par descendre jusqu'aux Invernales de Cabao, à 850 et quelques mètres. Là, on suit une piste qui monte en lacet, qui laisse bientôt place à un sentier au milieu des pâturages jusqu'au col de Pandebano, à 1219 mètres. Notre objectif, le refuge Vega Urgeo. Mais auparavant, on passe devant le refuge de la Tenerosa. Ah, les vaches, très importantes. Elles permettent de faire ce fromage célèbre des Picos, le Cabrales, que tout fin gourmet sait apprécier à sa juste valeur. Ah, courageux, là, je contourne un... C'est un taureau, ouais, c'est un taureau. On quitte les pâturages et on rentre dans la partie calcaire du massif. C'est un immense massif calcaire, les Picos, très érodé du fait de sa proximité avec l'océan Atlantique. Au fond, la tache blanche, c'est Bulnes, on va y descendre tout à l'heure. Mais pour l'instant, on suit un chemin en balcon sur la rive droite de la Riega de Valcocin. Alors certains d'entre vous se disent, mais le temps est pourri. Pas du tout! Pour les Picos, c'est un temps exceptionnellement beau. Et parce qu'il y pleut aux Picos. En général, il y pleut. Quand il y a du ciel bleu, bah, ça s'appelle un temps exceptionnel. Voilà. Ça n'arrive que deux fois l'an. Les Picos vous offrent une diversité de cailloux remarquable. Ça va du petit caillouné au gros bloc en passant par la pavasse. Cette dernière partie monte raide et elle permet d'atteindre le refuge. Ce qui est bien avec les refuges espagnols comme les refuges français, c'est que vous avez un accès gratuit à l'eau douce. Et c'est pas toujours le cas. Par exemple, lorsque j'avais fait la traversée des Dolos, les Dolomites, il fallait avoir de l'argent pour acheter de quoi boire au refuge. Parc national, Urgelu, la plaque en hommage aux grimpeurs. Nous sommes au refuge qui se trouve au pied du pic Urgelu. Naranjo de Bulnes. Et le pic est là. Il est magnifique. Quelle ampleur. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Pouf. Avec des voies d'escalade à couper le souffle. Alors le voilà, le Naranjo de Bulnes, quand il fait beau, il culmine à 2500, il offre 500 mètres d'apis rocheux, et là au centre du petit rond, eh bien, il y a le refuge, ça vous donne une idée un peu de la hauteur de ce pic. Il faut entamer la descente en allant direct face au vide, avec le refuge dans le dos, pour rejoindre le balisage blanc-jaune. J'ai un peu de mal à le repérer, ce sentier, parce qu'il n'est pas indiqué. Passage d'escalade et désescalade au début, hein, ça court pas du tout, hein, mais pas du tout. Alors cette rive gauche de la Riega de Valcocin, elle est, comme vous le voyez, particulièrement minérale et raide. C'est un régal, hein. Si vous aimez le caillou, c'est un régal. Il y a un côté un peu belle donne pour ceux qui connaissent. Alors ça, c'est le canal des Cambureros.
En fait, on va voir plus bas, c'est une sorte de gorge. Parce qu'il y a beaucoup de gorges dans les picos, c'est une autre spécialité. Que l'on appelle en espagnol las gargantas. Allez, j'entre à proprement parler dans la gorge. Avec quelques passages câblés, un peu plus techniques que les autres du coup. Et je crois que je vais me mettre à... Ouais, c'est là où je vais me mettre à râper. À râper du Nekfeu. Là, c'est pas la même. Pas la même, on a marqué ta vie. Fous la merde comme mon marqueur ta fille. Oh, mes mères, je garde le sourire comme mes mères. Fais tourner ta potion, s'il te plaît. Je fais tourner ma portion de blé. On est en 2001, j'écris escrou dans le RERC. Ça galère sec quand mes potes sont tous de blé. Personne n'aimait ma gueule avant de percer. Je gagnais des battles avant les RC. T'écoutais pas de rap avant les RC, tu ferais mieux de me remercier. Merci, je me défoule contre tes textes. Scuscu, pendant qu'Akim pilote l'audi. Scuscu, t'as beaucoup trop de défaites. T'as cassé des frics, clac clac, c'est le bruit de mon public qui m'applaudit. Ouais, parce que le sentier était beaucoup plus technique, donc j'ai dit c'est pas la même et ça m'a fait penser à, au début de ce couplet d'un morceau de Nekfeu dont j'ai oublié d'ailleurs le titre. Ça me reviendra peut-être. Voilà la gorge, la garganta. Et là, pour le coup, c'est la garganta de Barcosin, ce qu'ils appellent aussi el canal de Barcosin. Voilà, c'est écrit sur ce panneau. Alors, mettre un B, mais on peut trouver l'orthographe aussi avec un V, parce qu'en espagnol, le V et le B, ça se prononce... c'est pour très proche, très très proche. Vivir, 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 par exemple, pour vivre. On se régale à passer les petits ruisseaux, des petits ponts. Nous sommes à Bulnes et on monte là, on va monter dur par ici pour retourner au col de Pandebano. C'est par ici. Bulnes, on peut y arriver en partant de Poncebos et en prenant un funiculaire. Mais bon, faut se lever tôt parce qu'il y a beaucoup de monde. Et pas de place de parking. Je viens d'expliquer pourquoi je suis parti de Sauterès, tout simplement parce qu'à Poncebos, il y a un funiculaire et le parking est très vite saturé. Alors là, on remonte un chemin qui est une ancienne calade, un ancien chemin muletier. On peut bien le voir ici. Qui dit eau et pâturage dit forcément boue. Ce qui fait que le parcours est assez varié. Vous avez du caillou, vous avez de la boue, vous avez du pâturage, vous avez de la piste, vous avez tout. Vous avez maintenant vous allez voir des fougères. Ah, c'est classe. Là, je crois qu'à ce moment-là du parcours, je me suis un peu perdu. Mais je crois que je suis un peu... en dehors du chemin officiel, mais il y en a tellement, car il y a beaucoup de bergers et de troupeaux dans ce secteur. Bon, après tous les chemins mènent au col de Pandebano. À défaut des chamois, voilà des ojos, tout petit, qui est très beau,
qui est de cette année. Bonjour, très très joli. Oh, il vient vers moi. Hola, ¿qué tal? Soy Frank. ¿Cómo te llamas? Voilà. Et il y a la peur. Waouh, voilà un public de choix. Je vais pouvoir faire mon premier concert, le premier concert de Royal Bâtard. Radical chic, ça te choque, ça te coupe la chic, mon éthique est en top, mon éduque est antique, mon cerveau est tenté, faudrait pas me tenter, je vis à l'instant T, car je suis authentique, pas de flow, pas tenté, pas de boucle bâclée, pas de loupe loupée, pas de rivet raflé, des secousses de rodéo, une vie élastique, faudrait pas qu'elle le claque, sinon c'est la clinique, stop. On a passé le col et on redescend en direction des Invernales de Cabao. Voilà, alors il y a un très joli sentier à ce moment-là que j'avais loupé tout à l'heure. Et là, je remonte là, en direction de Sotres. Ah, le musée del queso. Mon régime alimentaire pour garder la forme. Après toute sortie, un chocolat chaud avec des pizzas. C'est bon. Merci d'avoir visionné en espérant que ça vous inspire et je vous dis à la prochaine.